Joël, mission accomplie avec Atos. Ouais, mission accomplie. Content parce que c'était sa dernière du meeting, puis on part un peu favori, donc voilà, un peu de pression. Mais non, je suis content, satisfait de mon cheval et de mon travail. Tu disais tout à l'heure en off que c'était le vrai cheval de Vincennes. Ah ouais, c'est vraiment le cheval de Vincennes. C'est vraiment le cheval de Vincennes. Il déroule comme... facile, et puis non, c'est vraiment le cheval type de Vincennes. Est-ce qu'il te surprend au fur et à mesure des courses? Parce que là aujourd'hui, tous les meilleurs étaient là, même s'ils étaient peut-être pas à 100%, mais tout le monde était là, c'était la vraie course. Ouais, mais je pense qu'Alain des Cajoles n'est peut-être pas à 100%. Hakim du Cap-Vert, je le trouve pas vraiment dans sa belle peau. Donc voilà, mais... Tu profites de tout ça? Je profite de tout ça, exactement. Donc certainement qu'il y a d'autres... D'autres fois, il y aura certainement des matchs. Hein. Les autres fois, donc là, on fait complètement l'impasse, on attend l'hiver avec lui, puisqu'il n'est pas engagé dans l'UET, on le rappelle. Non, j'ai pas l'UET, et puis je veux surtout pas courir l'étoile. Donc maintenant, on va repartir sur le programme d'hiver, sérieusement, en but. Normalement, l'objectif, c'est le continental, pour ses choix. C'est quoi cette histoire de perdre sa cravache dans le dernier tournoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben voilà, un peintre. Merci. Un peintre. Ça te laisse un petit peu de marge. Ça me laisse de la marge. Ou alors c'est pour faire galoper les autres ou leur faire voir que je peux gagner sans cravache. Eric, la rentrée est bonne? Elle est excellente. Hein. Maintenant, il n'y a rien à dire. Elle est excellente, la rentrée. Est-ce qu'en montant, tu as hésité à décaler? Ouais, un court instant, mais il s'est mis à se vider un peu en montant. Donc j'ai dit, allez, je reste en dedans. En plus, j'ai cru que Ozone du Castel allait tirer à deux, donc je suis revenu par la corde. Et c'est là que ça me coûte la course. Pour finir, on voyait que lui dans la ligne droite. Il s'est mis à plat ventre. Hein. C'est un crack, quoi. Mais c'est des bonnes courses. Alors j'en déduis que tu as perdu un combat, mais tu n'as pas perdu la guerre. Exactement. Franck, il a eu un super passage en haut de la montée, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? En haut de la montée, c'est vrai qu'Astor Duquesne devant, il me ramène pas beaucoup, donc c'est à moi de venir. Après, j'ai le dos à Tos des Elfes à 400 mètres du poteau, je suis vraiment facile. Mais l'erreur, c'est que quand j'ai décalé, Tos repart et il a laissé la droite, il est parti à droite avec moi, et donc je perds ma deuxième place, quoi. J'aurais été deuxième. Le cheval, est, pour toi, il est vraiment à son bon niveau, enfin, il est dans les temps pour l'objectif, c'est l'UET pour toi. Hein. Ouais, voilà, là, l'objectif, c'est de le qualifier, déjà. On va courir les batteries. Donc il arrive, grosso modo, il manque un débouche-oreille et puis 15 jours de travail, quoi. Donc on est dans les temps. Non, là aujourd'hui, la victoire, non, parce qu'Atos, de toute façon, il est meilleur que tout le monde. Je pense qu'on peut le battre à part s'il est malade, mais on peut être deuxième, quoi. Aujourd'hui, j'aurais dû être deuxième. Ouais, mais Eric, je n'ai pas voulu le mettre mal, j'ai joué pas devant. J'ai dit tu peux sortir. Parce que je savais qu'il attendait parfait. Le sol de la course. Voilà. Il a bien sprinté, c'est bien. Ouais, il a bien sprinté. Ça lui fait du bien, ça. Non, impeccable. Gabi, c'était le petit poussé de la course, il a été vraiment très très bon aujourd'hui. Bah ouais, voilà, je suis très content de lui. C'était pas inattendu, hein. Je pensais d'être 4-5, voilà, ça s'est très bien passé. Il n'a pas l'habitude de sprinter encore aussi vite que les trois premiers, dans les 200 derniers mètres. Il met les 100 mètres de plus à se lancer, mais ça va venir, il peut courir avec. Donc on reste dans la catégorie des semi classiques? Bah oui, je pense, maintenant avec les gains que ça va lui faire, il n'a pas trop le choix, mais non, c'est très bien, il a un petit peu de marge, il n'a pas de débouche, il a les fers. Non, tout va bien.